Steffi Graf au service. Une erreur directe de Seles qui rend le public extrêmement joyeux. La mère de Steffi Graf à droite. La bataille commence entre les deux femmes. Une opposition à Steffi Graf que l'on attendait depuis pas mal d'années maintenant. Ah oui, très bien joué. Un contre-pied au fond du cours. Steffi Graf s'est fait prendre. Le public qui sera très certainement derrière l'Allemande. Très populaire ici. Nika Seles, sa petite carrière n'a pas été su être appréciée par le public en général. Et une erreur finalement. Un premier jeu qui est déjà très disputé. Avec un point gagnant jusqu'à présent. Des erreurs autrement. Je pense qu'elles se chaufferont relativement vite. On voit ici le nombre de photographes prêts à prendre les photos cruciales de ce match. Le premier jeu qui va à égalité. Ah, super. Advantage Graf. Un avantage alors que l'on voit ce point au ralenti, un coup droit décroisé qui vient terminer le point. Game point. Et c'est ce même coup droit décroisé qui viendra gagner le premier jeu pour Steffi Graf. Toujours en finale en Australie, les ramasseurs de balles qui ont ce petit carré réservé pour eux, leur permettre d'apprécier les championnes, les champions se disputer le titre. Tout le monde se prépare, même le public, les gens qui continuent à arriver dans ce stade superbe de Flinders Park. Il se trouve juste à l'extérieur de Melbourne et on peut voir le centre-ville. Un jour d'été parfait à Melbourne. Il ne semble-t-il pas trop chaud. Il peut y avoir vraiment des températures extraordinairement élevées à Melbourne. Monica Seles, to serve. Monica Seles donc au service. Oh.
pour répondre à Steffi Graf qui mène déjà 1-0. Double faute, applaudi par certains, c'est toujours un peu triste malheureusement. Jamais perdu en Australie, Monica Seles, alors qu'elle marque son service. Service gagnant mais qui n'est pas un ace. Elle va corriger la double faute qu'elle vient de commettre. Nerveuse sur son service, Monica. Possibilités pour Steffi Graf de prendre le service de Seles. Nerveuse en ce début de match. Steffi Graf, elle a gagné 33. Un match, elle a perdu 3. Et à la force. 30-40. À deux mains. Elle vient faire sortir Steffi Graf là. Trois matchs perdus pour Steffi Graf en la période de 9 ans. Pas beaucoup. Elle a perdu en deuxième tour en 83, je crois. Puis finalement, un autre quatrième tour. Et puis en quart de finale en 91, je crois, avant d'entamer cette carrière incroyable qu'on lui connaît. Oh oui! Coup droit de Monica Seles. Coup droit à deux mains. Et on considère qu'elle est gauchère parce qu'elle sert, comme vous l'avez vu, de la main gauche. Et fait des coups de réflexe à une main. Elle demande à l'arbitre de vérifier cette balle. Oui, semble-t-il. Chose qui est dedans. Game Seles. Et je Seles finalement. Qui égalise un partout. Et c'est important parce que Steffi Graf peut s'envoler relativement vite. Et ça rend les matchs féminins un petit peu ennuyeux. Commence avec un ace. On a demandé à Tom Woodbridge, un des deux grands joueurs de double, les Woodies, comme on les appelle, Woodford et Woodbridge, qui est gaucher, de servir deux ou trois premiers services ou deux contre elle, puisqu'il est gaucher pour s'habituer au service slicé de Seles. 30 love.
40 love. Droit de volée. 40-50. Mais sans erreur. On revoit ce point au ralenti. Et c'est sur la ligne. Le grave doit aller chercher ce coup droit. 40-50. Heureusement, elle est déséquilibrée, un peu en arrière. Elle n'arrive pas à lever cette balle au-dessus du filet. Retour bien à l'intérieur. Le deuxième service de Graf qui était un peu court et celle-là s'en profite. On va revoir. Regardez où il arrive. Bien au centre du carré de service. Monica Seles qui retourne du coup droit. Profond croisé. Ça force Steffi Graf à s'appliquer sur ses deuxièmes services. Vraiment les placer. Encore une fois, une erreur de Seles. On aurait pu être puni, Steffi Graf. Thank you. Croisé, ce revers malheureusement un tout petit peu trop long et ça coûte sur cette fin de jeu puisque Steffi Graf conclut et prend l'avantage une fois plus 2-1 dans la première manche. L'avantage de Steffi Graf. Elle a une sérieuse opposition là en Monica Seles, elle le sait. Et on voit Steffi Graf toujours rester concentré. Dans sa routine. On parle de la popularité de Monica Seles qui n'a jamais été réellement comprise. Une personnalité charmante. Le public n'a vraiment pas pris à Monica Seles. Leur championne est Steffi Graf. Quiconque essaie de la remplacer sera hué. C'est un peu cette impression-là. Yugoslav est au service pour revenir à 2 jeux partout. Du droit croisé court qui casse le rythme. Et c'est 0-15. Incroyable. Très bel angle. Et un premier service de Monica Seles qui est très, très mou. Presque simplement mettre la balle en jeu. Il est slicé. C'est de faire sortir Seles du court. Se donner des angles. 15-0. Un micro droit cette fois-ci de Steffi Graf.
15-30. Décroisé ce coup droit de Steffi Graf. Steffi Graf s'est retourné pour jouer ce coup droit. Je m'explique. Céleste a tout intérêt à jouer sur le revers de Steffi Graf le plus possible. Steffi Graf, qui était vraiment sur son revers, a dû se retourner pour décroiser un coup droit gagnant. Un service gagnant, un ace de Monica Seles qui revient 30-40. Elle a encore une balle de break contre elle. C'est la deuxième fois sur son service. Ça se passe. Pression donc sur la Yougoslave. Superbe. Et Steffi Graf prend le service de Seles. Et l'avantage immédiat, 3-1. Céleste qui semble avoir perdu son service par nervosité. On peut le comprendre, elle n'avait vraiment pas un service puissant. Elle a mis un ace, cela dit. Mais en général, juste mettre la balle en jeu. Par conséquent, elle l'a perdue. Elle essaie de réparer l'erreur en montant au filet directement et provoque l'erreur, Steffi Graf, 0-15. Superbe point. Le public bord de ses sièges. Alors que Monica Seles envoie deux coups droits très profonds. Je crois que Steffi Graf vient d'ailleurs demander l'avis de l'arbitre. On n'est pas sûr. Voilà ce fameux coup droit qui est très très profond. Est-ce que cette balle est dedans ou dehors? Ça a l'air d'affecter Steffi Graf en tout cas. Et c'est un peu long. 3 balles de break. Steffi Graf doit confirmer son service là. Céleste qui répond à l'assaut de son service tout à l'heure. Ah oui, super. Un premier service très important. Qui donne l'opportunité à Graf d'en terminer le plus vite possible. Et c'est ce qu'elle fait. Coup de fouet sur son coup droit. Les deux balles de break ont été sauvées. Sur deux premiers services, très bien placés. Ah oui, c'est une erreur de Graf. Ça l'agacera. Son amitié en tout cas.
2-3. Monica Seles a repris le service qu'elle avait perdu. Elle va essayer de le confirmer. Voir si elle appuie un tout petit peu plus sur sa mise en jeu. 15. Ça n'a pas l'air le cas, mais elle a su en tout cas placer cette balle relativement courte sur Steffi Graf. Un service appuyé. Malheureusement, une erreur. Oh. Bien dommage parce que Steffi Graf menait le point. Immédiatement pris le dessus sur le service de son adversaire. Premier ministre australien que vous avez pu voir. Retour du coup droit qui est juste un peu long. Steffi Graf commence à s'exprimer, c'est assez rare de la voir agacée comme ça. 45. Game service bien placé, jeu céleste, trois jeux partout. Tout est à refaire. Est-ce qu'il a trouvé un insecte? Sont attirés sur cette surface extrêmement chaude. Premier service bien placé pour l'Allemande. Ce point au ralenti. Déséquilibre à contre-pied au fond du court. Steffi Graf peut placer ce coup droit croisé qui vient surprendre Céleste. Retour du revers un peu long, très croisé. Un angle incroyable d'ailleurs. Malheureusement, on ne rentre pas. Pourcentage de premier service, 58%. Bon réflexe du revers. Céleste qui vient conclure ce point et qui lui en donne un 45. Celle qui commet l'erreur finalement. Et un échange qui... de plus en plus...